moi que Marie, c'est le moi le plus beau. Aïe, mon oncle, je lui avais demandé d'amener ma catin. Voyons, ma mère, revenez sans tête, queue de rhubarbe. Je vois petit-fils, Rosaire. Puis, maman, c'est votre fille. Vous ne reconnaissez pas? Appelez-moi pas maman, OK, là? Et je m'appelle Imelda. Puis je vais avoir ma catin, bon. Laisse-moi faire, Rosaire, je m'en vais essayer de parler. Hey, sa mère, vous me reconnaissez pas? Je suis votre fille, Dunia. Avez-vous mal en quelque part? Avez-vous mal à la tête? Non, maman. J'ai pas mal nulle part. Ce que je veux, c'est ma catin, bon. Venez-vous-en, sa mère. Venez dans la maison faire un petit somme, ça va vous faire du bien. Non, je vais pas rentrer tout de suite. Je vais faire des belles maisons. Puis un beau château. Vous l'avez dit, sa mère, qu'elle était pas normale. Moi, ouais, ben, c'est plus grave que je pensais, Rosaire. Tu iras-tu que le docteur tout de suite, docteur Lorrain, vient? Je peux bien y aller, sa mère. Ben, je peux pas voir ce que le docteur va venir faire, c'est? Ben, s'il peut pas rien faire, au moins, il va nous dire ce qu'elle a. Elle peut pas rester de même. Ben, Lydia, elle est, tu sais? Elle est dans le jardin avec Jeanne. Ah, oh, ben, je vais aller voir, pour si elle viendra pas avec moi. Ouais. Hey, sa mère, venez vous dans la maison. Vous pouvez pas rester ici, sa mère. Il fallait que quelqu'un vous aille. Venez dans la maison, sa mère. Je sais bien pas quel voyage que Mme Lessard a fait quand elle est allée au village, hein? Si tu veux dire comme moi, quand on l'a vu partir avec Rosaire, elle avait l'air bien décidée à faire quelque chose. T'as bien raison, Fleurette. Je crois que c'est la première fois que je l'ai vue marcher si vite que ça. Puis à part de ça, une qui est piteuse, là, c'est bien Lydia. Faisons voir de rien. Ben là, en avant de la maison. Peut-être qu'on verra quelque chose. T'as bien raison. C'est pas en restant ici qu'on va voir quelque chose. Hey, Lydia! Qu'est-ce qu'il y a, Rosaire? Faut que j'aille au village pour voir Mme Sawyer. Puis avant d'arriver là, ben, je voudrais bien savoir quelle sorte de femme que c'est. Peux-tu bien me dire, Rosaire, qu'est-ce qui se passe pour que t'aies affaire à elle? Ben, autant mieux te le dire. La mère, elle s'est faite reconduire là. Depuis qu'elle est venue, elle est toute revirée à l'envers. Ça veut-tu dire que ma mère, elle aurait fait des démarches par rapport à nous autres et qu'elle serait revenue de là en beau fusil? C'est pas tout à fait ça. Je sais pas ce qui a pu se passer là. Depuis qu'on est revenu, ma mère est revirée en enfance. Elle nous reconnaît même plus. Puis depuis qu'on est arrivé, elle est assise à terre, elle joue dans le sol. Je te l'avais bien dit, Lydia, que cette femme-là, elle me paraissait curieuse. Elle nous regardait avec les yeux vitrés. Puis on aurait dit que quand elle la voyait main, là, qu'on était comme attiré par une force qu'on pouvait pas se défaire. En par cas, je sais bien pas que c'est que Mme Sawyer peut y avoir fait. Ben, il faut que j'aille la questionner pour savoir ce qui s'est passé. Pour voir si elle a de quoi avoir à faire là-dedans. Ben, sois-en sûr, Rosaire, d'après moi, elle a de quoi à faire là-dedans. Ah, ma mère, elle a peut-être bien été ensorcelée. En par cas, Rosaire, une affaire que je peux te dire, faut pas que tu sois trop raide avec. Mme Sawyer est bien aisée à se laisser emporter. Oui, ça c'est vrai. Soyez pas inquiète, elle m'en va d'être bien d'aplomb avec elle. Ah, puis, arrangez-vous donc pas d'être à la maison, mais qu'on revienne. Faut pas que ma mère nous voie tout à l'entour d'elle. On sera pas là, Rosaire. Je vais emmener Lydia faire un tour chez nous. Ouais, ben, pas mal plus forte que je pensais. Ça commence à me faire peur. D'un coup, je serai ensorcelée, moi et tout. Viens-t'en, Lydia, on va s'en aller à la maison avec la peur te poigne pour de bon. Petit navire, il était tard. Petit navire qui n'a jamais navigué. Eh ben, donation! On aura tout vu. Vois-tu ce que je vois? C'est Mme Lessard, ça. Elle joue dans le sable. Ah, ben, ça parle. On voit bien toutes les deux la même chose. Elle m'a dit, comme on dit, une paire de yeux, ça peut se tromper. Mais deux paires, ça se trompe pas.
Viens, on va aller voir plus proche. Pour enseigner dans sa voie plus long. J'ai un beau château, m'attend, tire, lire, lire. Donation. Voulez-vous me dire ce qui se passe? Madame Le Sort, elle serait pas malade toujours? Non, non, tout est correct. Elle va bien. Elle a juste un petit étourdissement. Bon, ben tant mieux pour elle, c'est pas plus grave que ça. Eva puis moi, on était assez inquiète quand on l'a vue à terre. Hein, Eva? Donation. Inquiète, tu dis? J'en suis pas encore revenue. J'en ai les jambes toutes molles. Vous avez été bien smart d'être venue. Mais à cette heure, tout est correct. Je m'en vais m'en occuper. Mais envoyez-la dans eux autres. J'aime pas ça quand ils viennent ici. Ils défendent toutes mes maisons, puis ils me crient des noms. Donne notion. Si tu veux dire comme moi, Fiorette, là, c'est bien plus qu'un étourdissement. D'après moi, là, Mme Chaillon, elle nous cache quelque chose. M'a dit comme on dit. Moi et Péva, on ne veut pas vous forcer à parler. Mais en seulement, si vous voulez rien nous conter, ben là, nous autres, on ne pourra rien vous avancer ce qu'on sait. Ça ne vous fait rien, restez pas ici. J'ai assez d'occupations comme ça, puis si j'ai besoin, je vous le ferai savoir. M'a dit, comme on dit, vous ne nous envoyez pas, puis c'est bien juste. Il est temps, Eva. Mme Chagnon n'est pas intéressée plus qu'il faut à savoir ce qu'on sait. T'as bien raison, Fleurette. Mais moi, là, je suis certaine que Mme Chagnon a bonne aide sur Grette de ne pas nous avoir tout compté. Ah, excusez-moi, mais c'est l'énervement qui m'a fait parler comme ça. Vous n'êtes pas obligé de tout nous compter, mais ça se voit bien que Mme Lessard est un petit brin infecté. Ah, puis autant mieux vous le dire. La mère est revenue du village arrangée comme ça. On ne sait pas si elle se sera pour cogner à quelque part, mais on dirait qu'elle est revenue en enfance. M'a dit comme on dit, Mme Chagnon. Vous venez de passer à charrue dans le chemin. Moi, Péva, ça nous éclaircit bien les idées. Mais à bien y penser, je sais pas si on doit tout vous dire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Eva? Donation, on y va pas penser. Tu sais comme moi, Mme Lessard, elle nous aura défendu d'en parler. C'est pas dans nos accoutumants, ça va de compter des choses qu'on sait. Mais au point qu'est rendu Mme Lessard, ça serait un service à rendre à Mme Chagnon de y compter tout ce qu'on sait. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as jamais si bien dit, Fleurette. Si tu veux dire comme moi, là, vu que t'as pas commencé à y compter encore tout ce qu'on sait, je vais commencer, moi. Puis si j'oublie quelque chose, là, ben tu seras là pour lui dire à Mme Chagnon. C'est bien correct, Eva. Je me fie sur toi. Bon, ben, avant de commencer, Mme Chagnon, faut que je vous dise que Fleurette pis moi, on n'était pas de connivence avec Mme Lessard. Même si c'est un peu de notre faute, si elle-même. C'est sans le vouloir, c'est moi qui vous le dis. Rosaire, docteur Lorrain n'a pas pu venir. C'est pas le docteur qui s'apprend à sa mère. Elle est tout dessus que de rhubarbe. Oui. Il y a juste Mme Sawyer qui peut faire quelque chose. Mme Sawyer, je vous présente ma mère. Enchantée de faire votre connaissance, madame. Moi, pareillement, mais je me demande ce que vous pouvez faire là-dedans. Êtes-vous une guérisseuse? Oh, yes, une guérisseuse. Mais elle n'est pas malade, là, elle. Là. À l'air malade. C'est moi qui ai fait ça. J'ai voulu juste m'amuser un peu avec elle. Il montrait de quoi ce que je savais faire. Mais elle avait couru après, là. Ça vous le dit, par là? C'est que, d'après Mme Sawyer, ma mère, elle l'a retraité toutes sortes d'affaires. Et elle n'a pas trouvé ça drôle. Elle a juste voulu y jouer un petit tour. Il dit vrai, votre boy. Oh, il est bien correct, votre boy. Puis il a été bien poli avec moi. Parce que s'il n'avait pas été poli, là, ben, je serais pas venu. Parce que votre mère, elle m'a dit toutes sortes d'insultes, puis moi, j'en pouvais plus, là. J'allais hypnotiser pour l'arrêter de parler. Ben, vous commencez à me faire peur, vous, là.
Si vous avez été capable de faire ça, là, vous pouvez faire n'importe quoi. Oh, ben là, écoute, t'as pas besoin de t'inquiéter, là. Ça restera pas de même tout le temps, là. Watch back. Watch back, ça. Watch back. Hey, regarde, là, je vais compter jusqu'à toi, là. Jusqu'à toi.